petit problème technique, il semblerait. Salut vous autres, ça va aujourd'hui? Moi ça va bien comme d'habitude. Ça fait un petit bout, je me suis pas connecté. J'ai été occupé cette semaine, puis tout ça. J'ai pas eu le temps d'enregistrer Feed the Beast. Là, j'ai dit, là, on est samedi soir, j'ai dit, faut que j'enregistre ce Feed the Beast. Puis c'est ça, là, je me suis connecté, puis mon système est plein. Je sais pas quelle cochonnerie qui a rempli mon système. C'est pas le call, c'est pas ça, ok. Qu'est-ce qui a rempli mon système? Des pommes? Non, c'est pas les pommes. Ce qu'on peut faire... Ah oui, c'est vrai. Je les ai mis juste hors de portée. Entendez-vous, mon petit minou? Ça s'ennuie. Tiens. On va tout sortir. Ils sont pleins. De toute façon, le système peut pas sortir. Peut pas s'en servir. Wow. Wow. Tu qui parle mal le soir. Ok, pourquoi il a mis des pommes là-dedans? Fait que lui, il est plein de pommes. Je ne veux pas de ces pommes-là ici. Pourquoi ils n'ont pas été là? Toi, tu acceptes les pommes? On va spécifier peut-être que... Bon, on va y mettre une priorité plus élevée. Je veux que tu ailles là, les pommes. Là, c'est-tu... Pensez-vous que c'est ça qui était partout? Je peux pas l'envoyer dans le système. Là, c'est parce que tu peux le storer là, il y a de la place en masse. Bon, ben, écoutez. Et voilà. Il va falloir que je vide ça manuellement. Mais je vais peut-être faire ça dans mes temps libres. Je vais peut-être peser sur pause. Je vais juste vous montrer mon système qui est à plein. Je pense que je vais régler ce petit problème-là. Je vais vider les petites choses qui sont pleines de cochonneries. C'est beaucoup, beaucoup de pommes, ça. Mais pourquoi ils n'ont pas été là? Ça, je comprends pas, par exemple. OK, ben écoutez, je ne perdrai pas votre temps. Je vais nettoyer mon système. Puis après ça, je vous ramène, puis on va commencer à travailler sur quelque chose qui a rapport avec Upline Logistics. Ben, avant, je vais vous ramener, on va aller voir le méga mineur. Il a changé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Oui, oui, vous allez voir. Très intéressant. En tout cas, je vous paye sur pause, je reviens. Ouais. Le problème va se régler par lui-même. J'ai fait ça ici. J'ai rajouté une petite chose sur la poubelle, un export. Et puis toutes les pommes vont se faire exporter dans la poubelle. J'ai pas besoin de... J'étais rendu à 92 000 pommes. Je voudrais être en santé, mais faut pas exagérer non plus, hein? Je veux pas vivre pour toujours. C'est plate, ça, ou ça baisse vite. Ça baisse très vite, on voit ça descendre. Excellent. Fait que le système va se nettoyer. Ah, une autre lumière qui vient de s'allumer. Génial. Je sais pas pourquoi ils veulent pas aller là du tout, du tout, du tout. Y a rien à faire. Même si j'ai augmenté la priorité. Petit bug peut-être, je sais pas, quelque chose que je fais pas correct. Mais ça marche pour les autres affaires, je sais pas pourquoi ça marche pas pour ça. Bon, là, venez avec moi. Venez avec moi, ils vont vous montrer quelque chose et de toute beauté. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, vous vous dites, Chuck, tu veux dire c'est plus beau que toi, Chuck? Oui, plus beau que moi. Non, non, faut pas exagérer non plus, hein. Je veux dire, regardez-moi ce minois. Oh, on va aller par là. J'ai comme... J'ai grossi un peu le méga mineur. Vous vous souvenez, il était 8 de large. Je l'ai élargi un petit peu. Question de produire un petit peu plus. Je me suis dit... pourquoi ne pas l'élargir? Je me dis, pourquoi pas, hein? Fait que c'est ça. Il y a 32 de large maintenant. Au lieu de 8, fait que je l'ai agrandi de 4 fois. C'est-tu pas beau, rien qu'un peu? Tous ces coffres-là. Oh yeah! Alors on va aller voir en bas qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ça donne ça. Ça consomme beaucoup d'énergie. C'est quelque chose que je vais falloir que je... Probablement, entre les épisodes, je vais grossir la turbine à vapeur. Mon Dieu Seigneur. C'est ça quand t'es fatigué.
C'est fatigué, là. Bon, il a manqué des diamants. Je manque d'énergie un peu pour faire fonctionner cette affaire-là. C'est assez gourmand en énergie. On va l'activer pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Oh yeah. Êtes-vous prêt? Mais là, ça prend 5, 15 secondes avant qu'il s'active. Après ça, il s'active toutes les 15 secondes. J'ai fait un système à la maison que je vais vous montrer après. Qui, pour gérer ces quantités d'énergie-là, mais je peux pas. Je peux pas maintenir ça pendant des années, malgré que la vitesse que ça va. Fait que c'est ça. On vient de miner tout ça. Il n'y a pas le temps de se rendre jusqu'en bas. Peut-être 15 secondes, c'est pas assez, honnêtement. Des fois, il est un peu plus lent, je sais pas pourquoi. Il se rend pas jusqu'en bas. Faudrait peut-être que je rajoute 2 ou 3 secondes. Oh, ça, j'ai ça quand ça gèle de même au-dessus de la lave, hein? Ok, on va désactiver le système. On voit, il n'a pas été jusqu'en bas. Ah ben, cette fois-ci, il était jusqu'en bas. Je ne sais pas pourquoi des fois ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais je suspecte qu'en rajoutant quelques secondes au délai, c'est pas grave si c'est un peu plus lent. On s'en fout. On s'entend dessus que à vitesse que ça mange les ressources, que ça fait aller les ressources, cette affaire-là, que. C'est pas 2-3 secondes de plus qui vont faire de différence dans la vie. Fait qu'on va aller jouer avec ça. Parce que là, j'ai enlevé. Le système de contrôle, je l'ai enlevé de sur la plateforme. Vous savez, le contrôleur avec le timer et tout ça. J'ai réalisé, j'ai pas besoin de mettre ça sur la machine en tant que telle. Comme ça, je peux jouer avec. Je peux faire des ajustements. Moi, vous montrer ça. Vous allez voir, c'est génial. Tout ce que j'ai besoin d'envoyer là-bas, c'est le signal à toutes les 5, 15 secondes pour dire à la machine de se déplacer. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Fait que le système de contrôle, je l'ai mis ici. Il est là. Ça, c'est le timer qui contrôle. Vous voyez, il est. Ah, je l'ai mis à 10 secondes. C'est pas assez. On va l'augmenter à 15 secondes, comme qui était avant. Qui devrait être en masse. Fait que quand j'active ma petite télécommande ou le bouton qu'il y en avait ici, s'active ce petit toggle-là qui s'en va par là, qui fait aller le timer. Puis là, toutes les 10 secondes, il envoie un signal sur la 2. Ouais, c'est ça. Sur le chose 2. La fréquence 2 qui active la quarry là-bas. Mais oui, c'est juste ça. Ça ici, c'est pour faire marcher une télécommande. Pour que je puisse l'essayer là-bas, ça envoie un signal, puis ça active le toggle à distance. Vous voyez, ma télécommande est sur la fréquence 9, comme ça dit ici. Fait que là, je peux activer ça à distance. C'est comme ça que je l'ai activé là-bas. Yeah! Mais là, OK, on va l'activer. On va voir le système. Il fournit tout juste pour gober les ressources qu'il y a là. On va vous montrer ce que ça l'a pris pour être capable de tout juste d'absorber le matériel qui passe. Dans pas grand temps, on va voir le matériel arriver. Dans 15 secondes exactement. Êtes-vous prêt? Ça s'en vient. Ça va se remplir. Ben, ça se remplit pas. Il fournit, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de matériel qui rentre. Toutes les c'est ridicule. Puis aussi, je vais vous montrer, on va aller par là-bas. La consommation d'énergie. Ça, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir soutenir la consommation d'énergie de cette machine-là. On voit que ça descend beaucoup. À chaque fois que ça va s'activer, on voit ça descendre au max. On voit les lignes descendre. Lui, il se reste plein. Mais ça se vide tout vers le bas. Fait que lui, c'est le dernier. Mais ça, j'aime pas ça. Anyways, on va continuer à jouer là-dessus. Fait que ça, c'est pour fournir l'électricité à l'autre machine. Parce que regardez bien la consommation d'énergie de mon système. J'ai cette affaire-là ici qui me dit les entrées et les sorties du système. C'est ça. Quand la machine s'active, on voit que ça monte jusqu'à 14, 16 000 RF. Ça a quasiment été jusqu'à 17 000 RF de consommation d'énergie. Mon système fournit peut-être 3 000 au maximum. Fait que c'est beaucoup dur, beaucoup, beaucoup sur le système. Fait que je vais augmenter la consommation. La production d'énergie. On va faire ça entre les épisodes. Ce que je vais faire, je vais vous montrer ça. Venez avec moi. Venez-vous avec moi, venez avec moi. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Yeah, baby! je vais faire un autre boiler, probablement de ce côté-là. Puis je vais grossir ça un peu. Quelques étages. Rajouter des pales là-dessus. Puis on va produire plus d'énergie. Ça ne sera pas encore assez. J'aimerais ça. Je préfère 4 boilers. Qui fournit de la vapeur à ça, puis ça grossir ça, pour essayer de fournir 20 jusqu'à. J'aimerais ça augmenter au moins jusqu'à 15-16 000 RF.
vais travailler là-dessus, puis on verra. Peut-être prochain épisode, j'aurai travaillé là-dessus. Fait que c'est ça. Là, je l'ai désactivé, hein? Ouais, je l'ai désactivé. Mais ça fournit. Puis ça fournit en place. Parce qu'il y a le système qui s'active là-bas, toutes les perforeuses, les perceuses, les foreuses. Puis ces affaires-là, ça aussi, ça consomme beaucoup de l'énergie à son maximum. On le voit-tu combien que. Maximum, du 400 RF par tick. Chacune de ces machines-là, ça prend 400 RF. Ceux du haut sont-tu moi? C'est 800 RF. Vous voyez, les pulvérisateurs en haut, c'est 800 RF, 400 RF. Fait que quand le système s'active, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ben, on a vu des points jusqu'à, comme je dis, ça a quasiment été jusqu'à 18 000, 17 000, 18 000. Fait que va falloir que je travaille là-dessus. Mais anyways, pas tout de suite. Cet épisode suit. Cet épisode-ci, je veux travailler sur l'autocrafting. Là, je suis tanné de construire des affaires à main. Je veux commencer à faire un système qui va faire de l'autocrafting. Je suis un peu. Je suis plus ou moins au courant de comment que ça marche sur Applied Logistics. J'ai une bonne idée, fait que va probablement falloir que je crafte des affaires. J'ai besoin d'amour. Mais personne m'aime. Oh non, je fais pitié, pauvre de moi. Comment ça s'appelle? On va marquer crafting. Crafting, ça me prend des crafting CPU, crafting unit. Co-processing unit. Crafting monitor. Crafting storage. OK. Ça va me prendre un crafting unit au moins pour commencer. Puis un crafting storage au moins. Puis j'aimerais beaucoup avoir le crafting monitor. Peut-être une affaire de même. C'est très coûteux. Je devrais avoir ce qu'il faut pour faire ça. Oh, on va aller voir. Ah, regardez-moi les belles petites lumières vertes. On dirait que ça peut être Noël. C'est-tu pas génial? Waouh, méchant, ça peut être Noël. Crafting unit. Lui, je devrais pouvoir. Et voilà, j'ai un crafting unit. J'ai besoin. J'aimerais ça faire un de ceux-là. On va prendre un crafting unit. Tutu avec un ça. Et voilà. Eux autres, ils marchent ensemble. Ça fait juste accélérer le processus, vous allez voir. À ce que j'ai pu comprendre. Crafting monitor. Ça va me prendre un ça encore. Là, ça m'en prend-tu un autre? J'ai besoin de quoi aussi? Du storage. On va commencer avec un cas. Ça m'en prend pour un, ça. Fait que m'en faire deux autres. Un, deux. Mets ça là-dedans. J'ai besoin hein, de ça. Là, j'ai besoin de ça. Ça, c'est quoi, ça? Sérieux? J'ai besoin de ça? Storage monitor. Alright. C'est beau, j'ai compris. Crafting monitor. J'ai besoin de faire ça. Tu payes. Bon. Oh, ça m'en fait trois. C'est-tu pas génial, ça? C'est-tu pas génial? Je me sens quasiment chanceux. Sais-tu? Bon, j'ai ça. Je serais peut-être pas obligé de peser sur pause. J'ai besoin de tout ça ici. Ah, j'ai besoin de faire une affaire de même. Mais ça devrait être assez simple. J'aimerais ça. Je peux-tu faire le 4K à place? Commencer, c'est que ça me prend. Ça, c'est un cas. Ça, c'est 4K. Ça me prend 3 de céder un cas. OK. 1, 2, 3. Puis, comme ça. Yeah! Yeah! Oh, yeah! Et 4K. Bon! Je pense que j'ai tout ce que j'ai besoin. Je vous poserai pas sur pause, ça a l'air. Je vais l'installer en haut. Sauf cable. Là, j'espère m'a connecté ça comme du monde. Vous pouvez ouvrir une moins, hein? Assisez-vous, puis riez de moins. Je pense que l'horloge va disparaître de là, parce que c'est d'autres choses qui vont aller là. C'est de l'horloge solide en anti-Jésus. Oh! Oh! J'ai tout cassé. Non! Cette ligne-là, il me restait dessus. Je vais avoir lui ici. Ça connecte pas. Mais peut-être que ça me prend les autres morceaux en place avant que. Là, ok, parfait. J'avais de l'espace en masse. Ah!
La quarry, mon méga mineur, ce que ça prend pour fournir. Regardez pas cette affaire-là en haut, ça prend ça ici. Ça, c'est un coffre qui mène à mon système. En bas là, j'ai un importateur qui va chercher les affaires dans le coffre avec des 4 accélérateurs, il est au maximum. Et j'ai des importateurs ici avec des accélérateurs ici. Tous des accélérateurs. Celui-là ici, tout plein d'accélérateurs. Et en dessous ici, tout plein d'accélérateurs. Fait que ça fait 1, 2, 3, 4, puis 5 en bas. 5 importateurs avec 4, plein d'accélérateurs pour être capable de fournir le méga mineur. Fait que c'est ça, c'est ridicule la quantité de matériel qui rentre. Mais le système au moins est fourni, il est capable de tout absorber. Mais c'est ça que ça m'a pris. J'ai commencé genre avec 2, c'était pas assez. J'ai rajouté un 3e, c'était pas assez. Un 4e, c'était pas assez. Pour ça, le 5e, là, j'ai vu que ça fournissait le système. Ça, c'est mon Unifier qui transforme les types de métaux en d'autres types de métaux. C'est assez plate. Si vous voulez savoir c'est quoi, dites-moi les commentaires, je vais vous l'expliquer. Sinon, je me casserai pas la tête avec ça. Bon. Crafting Storage, ça, je pense que je peux tout mettre ça en même place. Je pourrais peut-être. Cette ligne-là, elle n'a pas beaucoup. Je pourrais peut-être prendre une autre ligne, par exemple. Lui ici. Ou lui ici. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est le charbon. OK. Lui, il est plein. On y touchera pas. Ah, je pourrais peut-être ajouter. Non, j'aimerais ça aller vers le plafond. Ben, regardez bien ce qu'on va faire. Ça. Ici, on va mettre le crafting unit. Ça devrait prendre une ligne de plus. Pourquoi ça connecte pas? Je pense qu'il faut que j'exporte. Oups. Ah non, c'est vrai, il manque un morceau. Ça me prend. Je suis pas mal sûr que ça me prend. Pourquoi mon système ne marche pas? Ah, parce que le. Parce que lui ici, il coupe le système. Parce qu'avant, on pouvait. Je l'ai-tu ramassé? On pouvait carrément. On mettait une bebelle, quelque chose, puis ça pouvait, ça faisait la connexion entre les deux. Ça s'agissait comme fil aussi. Mais dans ce cas-là, il semblerait que non, ça fonctionne plus comme ça. Checkez bien ce que je vais faire, par exemple. Crafting. Je crois qu'il a cette forme-là. Un crafting terminal. Il n'y a pas le crafting monitor version. Le petit panneau. Là, juste checker de quoi vite fait. Oh, OK. Là, je me grouille le bang. OK, ben regardez, pour le bien de la chose, on va le mettre ici. Là, il connecte-tu là-dessus? Je ne vois pas. Je vais l'amener en haut. On fait nos expériences en haut, là. Je suis tellement préparé. Est-ce que je peux le connecter ici? Hein? Non. Comment ça connecte, ça? Y'a-tu une autre face, là? Peut-être, non? Je vais aller chercher quelque chose que je suspecte que j'ai besoin. Qui est un... Je me souviens pas du nom, mais je sais que ça en prend pour construire ça. Ah, pas nécessairement, non. Ça prend, hein? Ça prend. Hein? Ça. Un ME interface. Ah, il me manque de ces machins trucs-là. Ah, ça me prend de l'autre type, c'est ça. Non, on va l'écrire en haut ici, ça va aller mieux. Interface. Ça me prend lui, ça me prend ça, ça me prend ça. 2, génial. Je suis pas mal sûr que ça me prend ça pour interagir avec ces unités-là, OK? On va l'essayer.
c'est pas le meilleur place que j'ai choisi, hein? C'est pas trop pratique. Ça connecte, mais je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance. Non, hein? Écoutez, je vais vous payer sur pause, m'arrêter de perdre votre temps. Je vais vous payer sur pause, me comprendre comment ça marche, me vous ramener et me vous expliquer ça. OK, voulez-vous voir ce que j'ai appris? J'en ai appris beaucoup. Je vais me coucher moins niaiseux ce soir, ce qui est quelque chose de très commun pour moi, parce que tout ce que je vois dans la vie de tous les jours, c'est nouveau pour moi. C'est pas que je suis pas intelligent ou que j'ai pas de mémoire, c'est que ma tête est pleine, ok? Je suis assez limité en fait de mémoire, fait que ma tête est pleine. Fait que chaque nouvelle chose que j'apprends, ça fait sortir quelque chose d'autre que je savais. Fait que c'est un cycle infini comme ça, j'apprends toujours des nouvelles choses. Ok. Ça vous prend un molecular assembler, un assembleur moléculaire. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange un univers? Ça met les affaires ensemble. Ça les assemble au niveau moléculaire. Ça prend les molécules de. Mettons, je veux faire une table. Ça va prendre des molécules de table. Ça va les mettre ensemble pour faire un tout. Un tout cohésif et cohérent. Là, j'ai rien. J'ai rien à crafter. Pour crafter quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des workbench, on va se faire un pattern de workbench. Là, ça vous prend un pattern. Ça vous prend une petite affaire, un petit module de mémoire que dessus, vous allez storer la recette, comment faire une table de craft dans notre code. Fait que ça, c'est des blank patterns, ça veut dire des petits modules de mémoire vides, blank qui veut dire vide. Ceux-là sont pleins, je les ai déjà encodés avec des affaires pour apprendre comment ça marchait. Fait que vous en faites un comme ça. Vous mettez la recette que vous voulez encoder sur le système. Ça dit déjà, ah, ça donne ça. Ah, tiens, c'est ça que tu veux? Oui, c'est ça que je veux. Fait que si c'est ça que je veux, je peux encoder mon affaire. Et voilà le petit machin truc. Si on paye sur chiffre, ça nous donne les recettes. Comme ici, on voit les recettes, c'est les affaires que j'ai dit d'encoder. Et voilà, ça fait ça. Fait que si on met ça là-dedans, ce petit module de mémoire avec notre recette-là, on met ça là, puis si j'y mets. Là, ça ne marchera pas parce qu'il faut qu'il sorte de là. On va prendre un hopper. Hopper, timer. Non, pas timer, juste un hopper. Je peux-tu le mettre juste en dessous de même pour le moment? Ça va aller dans le hopper. Le hopper va l'aspirer. Si je mets quatre planches là, tout, et voilà, il m'a fait une table de craft et rendu là. Je pourrais mettre un hopper sur le dessus pour renvoyer du bois automatiquement là-dedans, puis sortir là-dedans. Fait que ça, c'est une structure vraiment basique. C'est un assembleur moléculaire. Là, on va enlever ça. Nous autres, on est un peu plus sophistiqués que ça, hein? Non, non, mais, tu sais, nous autres, on est quand même plus intelligents que la moyenne du monde. On le sait, hein? On se le cachera pas. Si on veut interagir avec ça au niveau de notre terminal ici, ça nous prend une interface qui s'appelle communément interface. On met ça là. Là, au lieu de mettre mon chose ici comme ça, mes petits modules de mémoire avec mes recettes, je peux les mettre ici. Ça, c'est d'autres recettes que j'avais faites, comme j'ai dit, pour tester. Fait que là, lui, il va avoir accès à ces recettes-là. Puis, vu que c'est une interface, lui, il va pouvoir parler à cette affaire-là. Donc, si je viens ici, ça, c'est toutes les affaires que je peux crafter. Je les vois génial. Fait que là, à partir de là, je peux. Attends, je veux une nouvelle table de craft. J'en ai pas dans le système. Fais-moi-en une. Il me dit les matériels qui sont à cette disponibilité pour crafter ça. Tu tout craft à faire ça. Ça, et j'ai accès à ça puis à ça. C'est-tu correct? No storage. Ah, ça me prend du storage, c'est vrai. Il me manque une petite machin truc pour que ça marche. Ça me prend. Si on veut. Attends un peu, on va retourner là. Je l'ai dessus. Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Ok, on retourne là. On va y dire next. Si on voit en bas ici, storage, hein, coprocesseur, hein, il n'y a aucun storage, il n'y a aucun module, aucun coprocesseur. Ça, c'est pas nécessaire. Le storage, il est nécessaire parce que Crafting Plan, 46 bytes utilisés.
Fait que cette recette-là, après 46 bytes de mémoire, mais je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas rien de storage. C'est pour ça ici, mon 4K Crafting Storage, 4K qui veut dire 4000 bytes ou 4096 bits de storage. Fait que je n'ai besoin de 46, lui est bon pour 4000, fait que je n'ai amplement. Fait qu'en faisant ça, en mettant ce module de mémoire-là, cette affaire-là, je vais dans ma table de craft encore. Je fais, fais-moi-en une. Là, vous voyez, le bouton est plus gris, je peux faire craft. Et voilà, il m'a fait une table de craft. Génial. Là, question de. On va juste jeter ça. Merci. Fait qu'on a besoin au moins d'un module de. On peut faire des affaires juste avec ça. Mais si on veut faire du crafting automatique comme ici, ça prend absolument à ça. Là, une table de craft, c'est tout petit, ça prend pas de temps, ça prend 30 secondes à faire. Fait que c'est pas très compliqué. Mais à un moment donné, je vais mettre des recettes extrêmement complexes qui vont demander beaucoup d'affaires. Fait que ça va être lent. Donc, c'est là que je vais avoir besoin du crafting unit, du co-crafting, blablabla. C'est toutes des affaires pour accélérer le processus. Pour que ça fonctionne, on va le sortir, lui. Parce qu'il faut absolument que la structure qu'on fait, c'est des structures multiblocs. Je peux en mettre un. On va mettre le coprocesseur. On voit qu'ils sont liés ensemble. Ça fait une structure multibloc valide. Fait qu'ils se connectent ensemble. Puis là, ça fonctionne. Mais si je rajoute une autre affaire, c'est plus. Ça, faut que ça, absolument que ça soit d'une forme rectangulaire. Un cuboïde qui appelle. Là, c'est plus rectangulaire. Ça fait un L. Ça fait une affaire Tetris un peu. Ça ne marche pas. Faut vraiment que ça soit. Là, on voit que ça marche. Si je prenais la même petit machin truc ici. C'est pas toi, toi ici, étant. Je le mettais, tiens, à ce bout-ci, par exemple. C'est encore un rectangle, c'est une forme rectangulaire, il n'y a pas de problème, là ça marche. Mais là, si je mets mon dernier morceau, encore une forme Tetris, là ça ne marche plus. Fait que planifier en avance, il faut que ça ait vraiment une forme rectangulaire, votre structure. Moi, je remets ça. Ça, c'est le co-processing unit, cette affaire-là. C'est un coprocesseur qui fait juste accélérer encore plus la machine. Puis ça, c'est un crafting monitor. Ça, c'est pour voir où c'est qu'on est rendu dans nos craftings. Si je fais, mettons, un tesseract, j'aurais une recette pour tesseract. Fait que là, faut qu'il fasse le tesseract, puis toutes les pièces qui viennent avec le tesseract. Fait que tout serait listé ici, ce qu'il est en train de faire, puis tout ça. Fait que je pourrais voir où c'est rendu, qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis tout ça. Moi, je peux faire une table de craft encore, mais ça va aller tellement vite que j'aurais même pas le temps de le voir. OK. Prêt? Go! Trop tard, je vois pas la recette, ça a été trop vite, il a fini la table de craft et tout ça. Mais c'est comme ça que ça marche, c'est génial. Ça, je savais pas que ça marchait de même, ça a des possibilités assez géniales. Parce que on peut connecter des tuyaux Buildcraft, des affaires Ender.io, on peut s'en servir pour faire du craft automatique, un peu comme je me sers de. Non, je m'en sers plus. Comme ici, je me servais de ça pour faire du papier automatiquement. Peut-être plus, je vais manger, j'ai faim. C'est pas long. C'est bon. Du bon saumon. Je m'en servais pour faire du papier automatiquement. Je pourrais mettre un assembleur moléculaire. Puis envoyer. Mettre une recette de papier. Puis envoyer les matériaux dedans. Puis il ferait automatique. M'en faire des affaires avec ça dans le futur. Pas aujourd'hui. Mais. Yeah, c'est génial. Là, on m'a déménagé ça, c'est sûr. Je le ferai pas tout de suite. Là, ce que je vais vous faire, je vais terminer l'épisode là. Un épisode un peu plus court. Je suis un peu pressé côté de temps. Mais je voulais vraiment toucher à ça avec vous autres. Puis on va essayer de faire des machines intéressantes. La prochaine épisode, je vais essayer de ne pas attendre aussi longtemps avant d'en faire. Faut que vous me pardonnez. Cette semaine, j'ai commencé un nouveau boulot. Qui dit nouveau boulot, c'est-à-dire apprendre plein de nouvelles affaires, arriver à la maison un peu fatigué. J'ai enregistré Minecraft ordinaire, The Sims, mais ça, quand je pensais, genre, faut que j'aille jouer là-dedans, me casser la tête, j'étais fatigué, ça me tentait plus ou moins. Mais là, nouveau boulot, j'ai appris ce que j'ai à faire. La semaine prochaine, ça risque d'être pas mal plus relax. M'arriver à la maison, m'être pas mal plus frais et dispo. Donc, je vous promets que je vais sortir un épisode plus rapidement. Mais là, je voulais vraiment faire ça. C'est ça que je voulais faire. C'est ça que j'ai fait.
Malgré que je pense que je suis pas mal quand même beaucoup de temps fait. Je pense tout le temps que c'est un épisode court, mais ça finit toujours pour être un épisode long. Fait que merci de votre patience. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous dis, au courant de la semaine, je vais en sortir un autre. Ça va sortir le dimanche matin, probablement. Mais au courant de la semaine, je sais pas, mardi, mercredi, je vais essayer d'en sortir un autre, je vous le promets. Je vous promets d'essayer. Je promets pas d'en sortir une. Je promets d'essayer d'en sortir une. Je vais probablement en sortir une, là, mais des fois qu'il y a quelque chose, un cas de force majeure, il y a quelque chose, puis je peux pas, mais je peux pas. Mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour en sortir un autre, je le promets. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, si vous avez appris quelque chose, moi j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas comment ça marchait. Ça m'inquiétait un peu, mais c'est un peu plus simple que je pensais. Fait que je pense pouvoir faire des affaires géniales. Ouhou, ça sent bien. J'ai d'autres affaires. Là, je pense plus que j'ai beaucoup de pommes. Apple, il reste plus grand chose. Non, j'ai plus de pommes. Fait qu'est-ce qui bouge? Mes systèmes encore. Je checkerai ça entre les épisodes. Pas la fin du monde. Fait que c'est ça. Si vous avez aimé, le Saint-Jean, si vous avez des commentaires, suggestions, des affaires à propos de ça, ne vous gênez pas, bien entendu. Puis abonnez-vous à ma chaîne. Bye.